Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Richissime Archéologue. Et Iowa vous accueille avec un très très grand smile, avec toujours autant de pilosité et de sexitude. Et on va être parti, eh bien, tranquillement. Voilà, il va s'occuper de lui. Non, tu vas pas, non, bah non, en fait, non, quand je te parle d'occuper de toi, tu vas faire autre chose. Et on a des petites choses à creuser déjà, rien qu'en sortant de la location, donc on va y aller. Et je suis déjà en train de checker la porte du temple. Il nous demande de revenir dans une demi-journée environ. Il est 8h du matin, je repasserai vers midi 13h. On verra bien ce qu'il nous dira. Par contre, on a un trésor ici, qui est en fait tout en bas au bord de l'eau avec les crocodiles et tout. Et il est fermé. Bah, donc, tu vas en profiter pour venir l'ouvrir, quoi, j'ai envie de dire. Oh, un rubis en plus. Yes! Attendez, le trésor, il n'est pas accessible. Mais la porte est ouverte ici. Oh, faut que je trouve peut-être le chemin pour y retourner. Bon, en attendant, on est revenu à l'épave de l'avion. Je pense qu'en fait, je peux pas aller au coffre que j'ai vu. Parce que y a pas de porte ouverte vraiment. Il faudrait que. Bah, c'est pas accessible, quoi, tout simplement. Parce que ce coffre-là, on est déjà passé. Effectivement, il est déjà ouvert. Donc, bon, c'est pas grave. On va prendre des petits cristaux. Tout ça, c'est déjà très bien pour notre collection. Alors, tu nous trouves des bons petits cristaux. Et pas des vulgaires boîtes mystères, là, je sais pas quoi. Parce que ça, c'est trop, trop nul. Regardez tout ce qu'il y a à prendre. C'est trop bien. Citrine, tout ça. Allez, Iowa, tu gères la fougère. On va se poser pour un peu de pêche. On va aller regarder ce qu'il nous a récolté. Il nous a récolté donc la citrine. Tiens, tu vas pouvoir m'extraire un fossile, un simien fossilisé. Tant pis, on l'avait déjà. Bon, écoutez, on n'avance pas forcément très très vite, mais l'essentiel, c'est qu'on avance. C'est qu'il était content d'avoir chopé un petit poisson. Tu nous as fait quoi? Un tétra? Bon, bah, je vais attendre qu'il monte un peu sa compétence pêche. Pendant ce temps-là, moi, je vais retourner observer ce qui se passe. Là, on est bien dans les bancs misquins. Et cette porte-là est fermée. Je check, quoi. Voilà, c'est ici. C'est ici qu'il faut checker. Ah, la porte est de nouveau ouverte! Allez, machette, machette, mon petit. Oh non, bien sûr, il se fait attaquer par les bestioles. Mais restez le. Logiquement et calmement immobile jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Avec un peu de chance, cela devrait lui. Mais c'est pas vrai. En fait, c'est la logique qui vient de le sauver. Mais c'est énorme. Mais c'est énorme, je savais pas. C'est génial. En tout cas, après ton coup de fil, tu. Vite, parce qu'on va refaire un temple là. Et on est de retour! Oui! J'adore! Mais je pensais vraiment pas qu'on pouvait faire plusieurs temples en une semaine de vacances, quoi. Je trouve ça génial parce que, bon, moi, vu que c'est un challenge, et ben, du coup, je vais vachement vite avancer et récupérer pas mal de trésors et tout en espérant que ce soit des grenouilles et des assiettes à chaque fois différentes. Que je puisse finir surtout l'aspiration avec ce voyage. Ce serait trop cool. Sac abandonné! Iowa tombe sur ce qui semble être un campement abandonné. De toute évidence, un autre aventurier est passé par ici. Il y a des restes de feu ainsi qu'un vieux sac abîmé. Il pourrait y avoir quelque chose de précieux à l'intérieur. Ou quelque chose de dangereux. Iowa, doit-il aller voir, ne pas y toucher, chercher un matériel utile? La logique élevée. Allez, go, hein. Parce que bon, on a résisté aux abeilles qui nous attaquent avec la logique, alors pourquoi pas. Iowa examine soigneusement le sac et suspecte la présence d'une créature à l'intérieur. Il prend un bâton à proximité et touche doucement divers endroits du sac. Un scorpion venimeux en sort et s'enfuit dans la jungle. Iowa fouille le sac et y trouve du matériel utile. Yes, c'est parti pour un troisième temple. Bon, eh ben, coucou le temple, comment vas-tu? Est-ce que tu nous. Est-ce que je t'ai manqué entre-temps? Non, on t'a pas manqué. Eh ben, go, écoute, on va tout de suite examiner ce qui se passe. Donc maintenant, je cherche plus ici, hein, seulement si j'ai du temps à perdre. Il y a déjà ça à creuser, tu peux aller récupérer. Il y a donc. Ah bah oui, le truc de rave. Ouais, tu pourras écouter de la musique si ça te chante. En tout cas, tu vas l'examiner ça. Tiens, il y a des trucs encore à creuser et. Examiner ça. Il y a une petite piscine ici si tu veux piquer une tête pour faire du sport. J'entends des bruits chelous, mais apparemment il a trouvé. Ouais, bah écoute, t'as pas besoin d'y aller. Examiner le dernier. Je vous jure, j'ai entendu un bruit chelou comme s'il y avait un truc mort qui était revenu à la vie. C'est très flippant, en fait. Bon, après, c'est des Sims, hein, mais quand même! C'est quand même flippant!
Et hop là, on va commencer déjà à ouvrir les portes du temple. Youhou, yebzé. Voilà. Bon ben go Coco hein. Alors nous on enchaîne, on n'a pas le temps de niaiser hein. Tequila, Anakin, pas le temps de niaiser. Alors c'est une porte comme ça, c'est vrai qu'on avait fait ça, donc tu vas examiner ces petits monsieur là et ces petits monsieur là. Et celui-là, il est très très beau et il est. Franchement, si tu pouvais être un squelette aussi beau que ça, mon Iowa, ce serait trop bien. Mais c'est quand même flippant ce couloir. Je sais, je l'ai déjà fait une fois, mais c'est flippant quand même. C'est étroit. Moi, j'aurais peur que ça se renferme sur moi. Ah! Pas besoin, il a déjà découvert. Mais c'est pas possible. Mais oui! Mais il est incroyable en fait. Maintenant, il découvre des fois dès le premier en fait. C'est trop cool! C'est trop coolos! Regarde, on est déjà accès ici, tu vas pouvoir examiner là. Oh, encore un petit coffre à ouvrir. Du pesetas, des statues, des trésors. Pas d'assiette et de grenouilles, hein, c'est dans le dernier celui-là. Allez, trouve-moi un petit trésor là. Toujours pas des simflouzes et du matériel d'aventure. Alors, on a eu. Ok, très bien. Donc il n'y a rien qui va ouvrir là. Tu vas examiner ce truc-là et t'as encore des squelettes ici. Donc go. Voilà, mon petit. Ah, j'avais pas vu. Il y a un squelette dans le coin là qui va venir. Il a envie de te parler, je crois. Il est là. Je l'ai trouvé le squelette. C'est pas Zigo, hein. Je crois que c'était Zigo, celui qui était venu chez nous. C'est pas celui-là. Hein. Lui, c'est Tibérus calcaire. Bah oui, bien sûr. Alors, certains des mécanismes ouvrent. Vas-y, fais voir. Tu vas te faire ça, mais on va. Je suis pas sûre. C'était déjà le cas. Non, c'est pas bon. Tu vas recevoir une malédiction? Oh là là, zut, tu vas activer celui là-bas, alors la tête de flèche. Vas-y, fais voir. Piu, Iowa a amélioré sa compétence bricolage en évitant de justesse une catastrophe. Mais c'est pas vrai. Mais c'est incroyable, bricolage niveau 2. Pratiquement niveau 3. Salut, Jean-Pierre! Là, il va nous faire un petit truc là. Tu vas te présenter, c'est la présentation salvadoradienne. D'accord. Il nous a fait un 360 avec son crâne. C'est normal. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Et ça nous a ouvert la porte. Alors, qu'y a-t-il dans cette pièce? Oh bah. C'est déjà la fin du trésor? Oh bah oui, c'est déjà la fin du trésor, on est tristesse. C'est bien, c'est que plus vite on l'a fini, plus vite on en aura peut-être un autre avant de repartir à la maison, hein, qui sait? Vas-y, va chercher trésor, va chercher trésor. Oh là là, dites-moi qu'il y a un truc rare à l'intérieur. Une relique en or et tout là, parce que ça. Yes! Oui! J'ai réussi l'aspiration! Je peux donc changer d'aspiration! Ça c'est trop cool! Bon, regardez-moi cette tête! Il a pas l'air heureux et pourtant moi je le suis. Et obtenu Simflouz, pris un trésor, une relique mystique et du matériel d'aventure. Aspiration terminée! Je peux donc prendre une nouvelle aspiration parce qu'il faut en terminer plusieurs. Et nous n'avons pas le droit de changer en cours de temps. Il faut en terminer une pour en avoir une autre. Donc je suis ravie! Oh, une autre assiette! Ah, ça c'est bien! Et une autre relique de la mort de Totekeyama. Eh ben, on l'avait pas déjà celle-là? Si, oh zut, bon c'est pas grave, on pourra la revendre, hein. C'est pas comme si, voilà quoi. Ah bah alors le squelette, il est paranoïaque, fabricant et égocentrique. Mais bien sûr. Allez, un petit pipi dans le buisson et après on rentre à la location. Et en plus ça rime, c'est merveilleux. Saloperie d'abeille de marde. Mais il avait une fleur, je m'en souvenais pas, peut-être qu'il en a une dans un temple, dans un coffre je veux dire. On est rentré à la location, tu vas donc manger mon petit parce que tu as une faim de loup. Donc tu vas bouffer ta mère et après tu iras coucher. Ta mère toujours, hein. Dors bien, moi je vais regarder quelle aspiration je vais te mettre maintenant. Pour la nouvelle aspiration, je vais donc partir sur érudit en archéologie puisque il y a quand même des choses qui sont assez simples que j'ai déjà fait et que c'est très facile de faire. Donc je pense que je vais faire ça. Il faudra juste le plus compliqué et le truc à faire après pour vraiment finir, ce sera d'écrire un bon livre d'archéologie et donner un cours d'archéologie parce qu'après les sites de fouilles et tout ça, bon ben c'est déjà fait. Je sais pas si ça va me les compter, mais on y va. Pour l'instant, il me dit que j'ai creusé par nulle part tout ça, mais c'est pas grave, il y en a, donc je le ferai. C'est pas un très gros problème, ça. Oui, mon coco. T'inquiète pas. Bon, bah allez, on va commencer un peu à creuser.
Il va creuser ces petites choses-là, et puis je vais lui faire creuser ben, dans les sites de fouilles dans lesquels j'avais déjà fait, donc ça risque d'être très très long. Évidemment, je vais continuer à chercher et à surveiller l'entrée du temple, qui est fermée pour l'instant et qui se régénère. Une demi-journée, oh, c'est pas vrai, on va pouvoir faire un autre temple avant de rentrer, ça va être incroyable. Bon, finalement, je le fais aller au bar où il va venir discuter un petit peu. Voilà, amical, présentation salvadoradienne. Et présentation salvadoradienne également, tu vas discuter parce qu'il a besoin de social. Et parce que les sites de fouilles, c'est vraiment trop trop long, j'ai pas envie de perdre de temps, sachant que juste si on creuse dans un site normal, ce sera très bien. Donc là, je vais chercher un peu aux alentours s'il y a des choses sympathiques dans lesquelles il pourra creuser, trouver des cristaux, des fossiles, tout ça, etc. etc. Pour l'instant, il n'y a rien qui a popé parce qu'on vient juste d'arriver. Mais je ne perds pas espoir. Il va manger un petit peu. Il a accès à un truc. Voilà. Menu secret. Donc, ben, il a pris ce truc-là, là. Feijoada. Parce que, bon, je vous rappelle que dans les règles, il faut connaître toutes les recettes salvadoradiennes. Également, je ne sais pas combien il y en a. Donc, ben, là, vu que j'avais pas encore mangé, il n'avait pas encore mangé ça. Donc, lui fait goûter. Et j'ai vu quelques petits tas à creuser dedans, mais je vais aller rejeter un œil rapidement au temple. On sait jamais, hein. Et ben voilà, quelle association incroyable de saveurs. Maintenant qu'Ayo a mangé ceci, Feijoada, il peut en préparer chez lui dès qu'il en a envie. La réussite du plat dépendra néanmoins de sa compétence cuisine familiale. Est-ce qu'il y a maintenant une cuisine familiale? D'accord, je découvre des choses. Pendant ce temps-là, moi, je lui prévois quelques petites choses à venir creuser pour aussi son aspiration, quoi. Et évidemment, je suis bête sur les bords, mais ça vous le saviez déjà. Je ne peux pas surveiller le temple puisque je ne suis pas dans le bon quartier. Donc je ne sais pas s'il s'est régénéré. Au pire, on est samedi. Si on n'y va pas aujourd'hui, eh ben on ira le dimanche. C'est pas grave, on repart lundi. Donc en fait, il y aura un quatrième temple. Sûrement. Trop cool. Et voilà, il a déjà rempli un truc de son aspiration, de sa nouvelle aspiration. Creuser dans trois tas de terre ou site de fouilles. Et voilà, il a déjà fait une partie de la première étape. Ils doivent maintenant découvrir un objet ancien à partir du mode de terre. Autant vous dire que vu le nombre qu'on a encore en stock, ce sera facile. Attendez, le mec il a vieilli entre-temps? C'est une blague ou quoi? Je suis pas sûr que ce soit le Gunga. Enfin, je verrai avec les rushs, mais bon. Bon, il a pas spécialement faim, mais il se prend une nouvelle recette cachée, voilà, du menu secret. Quelle association incroyable de saveurs! Et voilà, maintenant il a pris une nouvelle recette. T'as vu, ils sont tous sympas avec toi. Hein. Il y a une devoir et tout. Messieurs, vous avez la même chemise. Et ils discutent et tout pendant que t'es en train de jouer aux échecs. Tant que tu montes ta logique, moi ça me va. Hein. Parce que ça me fait plaisir! Et qu'il est très beau et sexy. Un petit peu de Sim Roomba version Iowa. Oh là là, c'est déhanché. Oh, c'est déhanché, chérie. Oh oui. Oh oui. Oh là là. Oh. Oh, que tu es sexy. Oh, c'est... Oh, le boule. Oh, le boule. N'importe quoi. On est rentré à la location. Bah, il va bien. Bah, écoute. Non, attends, tu sais ce que tu vas faire si tu vas bien. Tu vas me faire un petit footing, chou. Moi, je vais aller voir comment se passe le temple. Non, le temple, il s'est pas encore entièrement régénéré. On est très très tôt le dimanche, mais moi j'ai l'impression qu'on pourra se le faire un petit dernier avant de repartir à la maison. Oh, quel bonheur! Oh bah tiens, ça a poussé ici, tu vas creuser. Ah, mais je suis bête! Je suis sûre qu'au temple, il y a encore des trucs à creuser. Alors attendez. Tac, t'as faim. Enfin, au temple. Là, c'est la porte du temple qui est fermée, comme vous voyez. Ah oui, regardez, il y a des trucs là. Et bah tu viendras jusqu'ici pour creuser. C'est pas grave! Mieux vaut maintenant que plus tôt que jamais, hein. Puis si ça repousse d'ici la prochaine fois, d'ici la semaine prochaine, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est bien, en plus il commence à pleuvoir. C'est pas grave, nous on est téméraires. On est aussi nyctalope à l'occasion parce que c'est un peu la pleine nuit, les 4h, presque 5h du matin. Donc c'est pas grave, nous on est comme ça. Après tu pourras rentrer de nouveau à la location et te reposer. En attendant, le temple n'est pas encore régénéré, mais je pense que d'ici la semaine pro, ce sera nickel. Saleté d'abeilles. Non, c'est pas les abeilles! N'importe quoi. Allez, tu vas y arriver, Nayo. Il reste quelques mètres. Quelques petites dizaines de mètres. Regarde, regarde, ton lit t'attend.
Ah oh, mon Dieu, quel pied de s'allonger. Il va s'endormir direct, hein. Il va ronfler comme un gros dégueulasse. Et se reposer, voilà. Écoute, je te souhaite une très très bonne nuit. Et moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Oui, je vais aller voir. Ah, toujours pas. Mais ça devrait pas tarder. Et on aura peut-être un quatrième temple avant de rentrer à la maison. Beaucoup d'aventures cette semaine dans la jungle, hein. On aura fait plusieurs épisodes. Ça change de première fois où je récupérais beaucoup d'objets omnisquins, mais maintenant j'en récupère quasiment pas. Moi, je vous fais des très gros bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là pour cet épisode. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner et à regarder les petites pubs sur YouTube. Je vous fais des très très gros bisous. À très bientôt. Ciao!